Bonjour, on se retrouve pour un nouvel épisode du Figaro étudiant semé au vert. Aujourd'hui, je vais te donner quelques conseils pour réduire ta facture d'électricité alors que l'hiver approche. Depuis plusieurs mois, la France traverse une crise énergétique. Résultat, la hausse des prix se ressent directement sur les factures. Mais il existe quelques astuces pratiques pour limiter cet impact. D'abord, jette un œil à tes appareils électriques, à commencer par tes éclairages. Si tu le peux, remplace tes ampoules classiques par des LED par exemple. Elles ont la même intensité d'éclairage, mais consomment 6 à 10 fois moins d'électricité. Si tu as la chance d'avoir un lave-linge, essaye de ne pas le surcharger et privilégie les programmes éco, ils sont moins énergivores. Une autre idée, si tu es amateur de pâtes, sache que tu peux les cuire de façon passive. Concrètement, lorsque tu fais cuire tes pâtes, coupe la cuisson au bout de 2 minutes et laisse-les dans la casserole en posant un couvercle. La cuisson sera alors plus longue, entre 10 à 20 minutes en fonction des pâtes, mais tu auras consommé jusqu'à 5 fois moins d'énergie. Tu peux même tenter de cuire d'autres ingrédients avec cette méthode, comme le riz, les pommes de terre, les courgettes. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve dans un prochain épisode du Figaro étudiant se met au vert.